Allez, c'est parti pour ce grand choc entre Vita Club et la formation des Loupopo dans le travail offensif de cette équipe. Tchatakora. La relance de Tchatakora, c'est bien trouvé. Magnifique passe de Tchatakora. Et ensuite cette frappe quel tir bien logé dans le perche de Wedogo Farid. Incroyable ce but de cette Loupopo. Question de déjà avoir un certain ascendant psychologique et se fait exactement sur cette frappe de Mongolompala. Quelle frappe surtout qui va aller nettoyer la lucarne. C'est bien que c'est mieux, c'est vrai que c'est pas forcément la force, la puissance de la même manière que Béli Sacré hier, mais c'est quand même un sacré coup de Lompala qui n'a pas du tout hésité, qui a vu Farid Ouedraogo être un tout petit peu avancé. Et il a bien cherché ce second poteau pour mettre en difficulté le club. Donc la pause, 0 pour Vita Club, 1 pour Loupopo. Mangoba. La passe de Mangoba pour Medina Temompele. Medina dans la surface. Medina Temompele. Et oui, c'est bien trouvé par Djoueli. La frappe de Pandjou. L'égalisation de Vita Club. Et quel travail de Medina Temompele, Jacques. Qui n'a pas tremblé dans cette surface. Il trouve Eli Pandjou. Un but partout. Et tout le volume aussi de Temompele, Jacques. Démontrer aussi de la constance. Regardez. Temompele qui résiste à la charge et derrière le pied gauche qui va aller se longer. Il dans la surface, Masakini pour Tchatakora. Simol se tire de Tchatakora. Merveille qui casse en bas. Pour l'homme de pressing, Medina Temompele. Temompele Jacques. Le centre de Temompele. Le deuxième but de la Association Sportive de Vita Club. C'est suite au pressing de Temompele. Et Kagwe qui va intimider cette défense de Loupopo. Deux pour Vita Club. Et un pour le Football Club Saint et la Loupopo. Vraiment parce que Eric Kagwe n'a même pas touché ce ballon. Mais c'est Lita Demani. Alors voilà pourquoi. Voilà pourquoi il reste sur le sol. Hein. C'est parce qu'il. Il est fautif, Lita Demani. Finalement, je le disais, qu'il y a... Quel travail encore de Medina Temompele, Jacques.